Salut, c'est Mathias pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'espère que voilà, le confinement sera bientôt fini. Donc petit tuto maison. Donc comme vous pouvez voir ici, on est chez moi. Donc voilà. Donc pour commencer ce petit tuto, donc on va parler vraiment de l'effet de chaque partie du corps, l'effet de vague. Donc déjà de 1 pour cet effet, on va venir réchauffer déjà les parties du bas jusqu'en haut de la tête. Donc je vous montre déjà de ce côté-là, c'est vraiment venir fléchir les jambes et oh, créer ce mouvement d'ondulation. Boum. Ici, boum. Boum. Pareil ici. Boum. Donc ici, ça permet après de... Bam. Voilà. Donc pour les techniques de poing, donc venir pour la puissance et la vitesse, venir vraiment à la fin, venir contracter et relâcher direct. Donc ici, on va venir travailler d'abord les steps, donc qui veut dire les pieds. Donc ici, largeur des hanches et des épaules, et venir travailler ici. Bam, 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 bam. Et venir accélérer. Bam. Pareil ici, on de ce côté-là, bam, bam, bam. Et venir ici, bam. Ici. Ensuite, venir travailler ce mouvement de ici. Maintenant, de transfert de poids, ici. Transférer le poids, ici, ici. Voilà. On travaille ici. Voilà. Être capable de venir ici. Bam. Ici. Ensuite, venir travailler ce mouvement de hanche et de rotation. Le buste, toute la partie de haut du buste et les bras sont relâchés. Et pour le mouvement de hanche, pour entraîner pour le fast jab et les jabs rapides, c'est venir ici. La hanche doit venir suivre le même mouvement que le bras. C'est-à-dire ici. Voilà. Et on fait comme si on voulait marcher ou courir, venir travailler et sentir cette hanche. Hein? Bam, 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 bam. Pour les mouvements, pour les positions des pieds, pieds joints, ici et à 45. On retrouve ça dans le taekwondo, la boxe et tout ça. Les steps, comme je vous ai dit, les talons ne touchent pas le sol. On est vraiment sur cette partie des pieds, les steps. Donc ici, c'est vraiment être relâché. Bam. Et ensuite, venir travailler ce mouvement. Voilà, ici. Donc pour le jab, c'est vraiment ici. Si on retient tous les mouvements avec la vague, bien sûr. Donc ici, sentir ce mouvement, chaque articulation, ici, chaque articulation, chaque articulation. Et ensuite, venir ici avec, en combinant ces mouvements-là avec la hanche et ces mouvements de mini-step, ici. Venir faire effectuer son jab. Donc ici, c'est vraiment bam, bam. Qui va venir et se situer au niveau de la tête. C'est là, on prend bien appui, on respire, c'est venir là. Voilà, ce mouvement de boum. Donc ici, voilà, vraiment ce mouvement de step. Donc ici, voilà. Relâcher, ici, voilà. On envoie la hanche et le bras, on envoie le bras et la hanche. À la fin, on contracte. Donc ici. Voilà. Ici. Voilà. Et sentir ses steps. Pour après, le mouvement de vague. Ici. Ce mouvement de vague. Ici. Ce mouvement de vague. Pareil pour les esquives. Ce mouvement de vague. Venir sentir. Venir sentir. Et ici. Voilà.